Manifestation pro-kurde à Istanbul pour réclamer la fin des hostilités envers le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. En deux semaines, près de 400 combattants de la guérilla kurde du PKK ont été tués et autant de blessés. Le co-président du HDP, le Parti démocratique des peuples, a lancé un appel pour mettre fin aux violences et s'asseoir à la table des négociations. Les gens veulent la paix, dit Selahattin Demirtas. Le PKK a aussi dit qu'il veut la paix. Ils sont prêts à engager des pourparlers avec le Premier ministre, mais eux disent non, nous irons à la guerre quoi qu'il arrive. Devant la presse, le leader du HDP a également appelé le PKK à respecter le cessez-le-feu qui a volé en éclats avec les dernières violences. Le Premier ministre Ahmet Davutoğlu a estimé qu'il s'agissait d'un appel tardif mais approprié.